Cette capsule est propulsée par Desjardins, fier partenaire du Grand Prix Skidoo de Valcourt depuis 18 ans. Tandis qu'on voit les superbes images aériennes du circuit Yvon Duhamel, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette 38e édition du Grand Prix Skidoo de Valcourt, propulsée par Intact Assurance. Tandis qu'on voit sur les écrans Yannick Boucher en préparation, dans quelques instants, on aura les snowbikes sur le circuit Yvon Duhamel. On est à la course 10, fait que... Il reste encore un peu de temps avant les pratiques. Il reste juste ronde de Val, là, ronde de snowcross, ronde de Val, petite ronde de snowcross, puis ça, c'est une zone. Non, non, non. T'enlèves tes clams qui pognent après tes fourches, puis après ça, ici, t'enlèves ton swing arm à partir du frame, puis c'est ça, ça vaut tout ce que ton swing arm il bat d'habitude. Non. Puis après ça, t'as ton break, que tu peux choisir si tu le mets à tes pieds ou à ta main. Après ça, t'as d'autres petites affaires que tu fasses pour être comme un thermostat, puis pour l'hiver, là, garder les... Ça prend ça, là. Surtout si tu fais du hors-piste, là, dans les affaires de même, là. Le moteur il rentre trop frit, puis il injecte du gaz au bout. Comme là, ça, c'est juste mon bicycle de pratique. Travaille sur le bicycle de course, je check des affaires, on jase les setups de suspension un peu, petit dur, puis après ça, on se prépare pour les courses après. Là. C'est pas mal ça. M'habiller, un petit réchauffement, après ça, va maison, on embarque, tu vas faire, on sort les bicycles. Puis que les seins, surtout quand on est dans le fret, il y a tout un petit peu de sourcillage pour essayer de te réchauffer avant d'embarquer sur la piste. Tu passes à ta course, qu'est-ce que tu vas faire sur la piste, tu dis à lui, est-ce que tu voudrais qu'il arrive? Un coup ça décolle, là, c'est ça, tu te concentres sur ce que t'en fais, puis t'as dit. C'est tout un petit peu de stress quand t'arrives aux courses, mais j'ai gagné les deux dernières années ici au Grand Prix, ce que je veux continuer de défendre mon titre, c'est que c'est ça mon but pour en fin de semaine. Le calibre, il part de là à là, ouais, là, tu sais, c'est que faut quand même tu watches pour ça. Il y a tout le temps des rivaleries. Il y a un gars du Québec, Jordan Renault, que j'ai compétitionné ici avec les dernières années, puis je pense qu'il est titre en fin de semaine, ça fait que... Là, il est quand même un bon calibre, c'est que ça va être des bonnes courses entre moi et lui sûrement. Parce que t'es capable de le battre? Ouais, il devrait être capable. De numéro 53 au guidon de la Oscar Werner Rockstar Energy. Yannick Boucher qui est toujours bien installé au contrôle de l'épreuve au départ de son rival, le Québécois numéro 732 de Jordan Renault. Dans quelques instants, ça mène. Le voici, le cadre est tombé. La victoire de Yannick Boucher. Oui, c'est une facile. Bon, on peut se faire pareil, right? Tandis qu'on voit les images du podium, on viendra chercher une troisième victoire consécutive. Trois années en ligne à remporter les grands honneurs du Grand Prix Skidoo de Valcourt. Encore une fois, le 53 de Yannick Boucher. On a rajouté un autre dans la collection. Je pense que c'est mon quatrième. Faudrait que je recheck. Quatrième ou cinquième, peut-être même. Avec une belle plaque à voir de ça. Yes.
Cette capsule vous a été présentée par Desjardins. Profitez de conseils sans vous déplacer. Prenez rendez-vous à votre caisse pour un service en vidéoconférence. Desjardins, une histoire de famille depuis 1906.